En 2000, donc, nous avons acheté une maison, avec une petite maison qui faisait partie du lot, un bâtiment indépendant de notre maison. Et donc au départ, on ne savait pas trop bien ce qu'on allait en faire, si on allait plutôt décider d'en faire un appartement à louer à l'année. Et puis, en discutant avec des personnes qui étaient propriétaires aussi dans le village, il nous est apparu que c'était intéressant de louer à des personnes étrangères et d'en faire un gîte. Donc ça nous permettait aussi d'accueillir d'autres personnes que nous connaissions. Et donc voilà, donc on a décidé de se lancer dans ce projet-là. Ayant vécu des voyages aussi, ben, nous avions envie de passer de l'autre côté, de devenir des hôtes aussi et d'accueillir des personnes qui avaient envie de découvrir le village, la région. Il faut donc savoir que le village où l'on vit est un village pittoresque. Hein. Il a été reconnu ici comme un des plus beaux villages de Wallonie. Donc c'est un patrimoine extraordinaire qu'on aime faire découvrir aux touristes. C'est un village classé, donc c'est très bien d'un côté, mais d'un autre côté, ça nous pose souvent des problèmes quant aux travaux. Donc quand on a acheté ce bâtiment, on a dû donc, avec la région Wallonne, décider du projet futur au niveau de l'architecture, au niveau des matériaux, etc. Donc on a passé énormément de temps avec un architecte et les décideurs à coup de réunion pour voir ce qu'on allait faire de ce bâtiment et ce qui était permis de faire surtout. Il faut savoir qu'en Belgique, c'est facile d'ouvrir un gîte. Nous avions, nous, l'envie d'ouvrir un gîte rural. Donc il fallait un certain label en fait, que nous donne la région Wallonne. Donc pour ce faire, on avait besoin d'une aide spécialisée. Donc on s'est adressé aux gîtes de Wallonie et on s'est fait membre de ces gîtes de Wallonie qui nous ont vraiment bien épaulés quant à l'accueil des touristes et tout ce que le tourisme rural, en tout cas le gîte rural, demande comme agrément. Donc grâce au gîte de Wallonie, nous avons eu cette reconnaissance de gîte rural. Et grâce à cette reconnaissance aussi, nous avons reçu des subsides qui nous ont permis de terminer notre gîte, les travaux du gîte, qui n'étaient pas une mince affaire. Alors la question suivante, c'était comment amener des touristes dans notre gîte, comment faire la publicité de notre gîte. Donc on a eu l'idée de faire appel à une agence, Ardenne Étape. On est devenu membre aussi de cette agence qui, elle, faisait pas mal de publicité dans le nord du pays. Donc on a accueilli pas mal de néerlandophones. Et après, donc, on a décidé de fabriquer un site internet personnalisé aussi, avec des photos et des événements typiques de la région et du village. Et voilà, ça nous a attiré d'autres personnes. On a même eu des gens de New York, on a des Français qui viennent souvent, donc voilà, et des Espagnols, donc on rencontre pas mal de gens de tout pays. Donc maintenant, on se rend compte en fait que 80% au départ venaient par Ardenne Étape. Beaucoup de locations venaient grâce à eux. Et grâce à notre site et du bouche à oreille, on réussit quand même à amener pas mal de personnes. On va dire 60% maintenant viennent par eux-mêmes. C'est déjà voilà, une belle progression. Donc au niveau légal, nous faisons une mise à disposition de biens. Donc on ne peut pas faire une prestation de service comme dans un hôtel, sinon on est taxé différemment. Alors on a essayé des projets un petit peu différents, notamment des locations de vélos, et puis on s'est rendu compte que ce projet ne fonctionnait pas, les gens n'étaient pas demandeurs, vu le relief qui est forcément très, très irrégulier chez nous. Et donc on s'est lancé dans un autre projet, donc on propose en fait aux touristes
de réserver les paniers de produits de la région, de maraîchers donc de la région, notamment pas mal de produits bio. Et c'est mon mari en plus qui s'occupe de cette association-là, donc ça facilite évidemment les choses. En ayant donc un gîte comme ça ou ça d'un village, je pense qu'on contribue aussi à l'économie locale. En fait, on informe pas mal les gens quand ils arrivent sur toutes les possibilités touristiques qui existent, au niveau des restaurants, par exemple, des magasins pour faire leurs courses. Donc voilà, ils participent pleinement à la vie de la région et des commerçants, je pense. Je pense que les commerçants sont contents aussi qu'on ait un gîte parce qu'ils en profitent aussi finalement. Il y a aussi une chambre d'hôte et alors un gîte aussi plus luxueux qui peut accueillir beaucoup plus de touristes que notre gîte qui est beaucoup plus familial. Et toute cette capacité d'accueil a permis, je pense, vraiment d'être reconnu comme un des plus beaux villages de Wallonie aussi. Ça faisait partie, je pense, de l'accueil des touristes. C'est un accueil, un point complémentaire pour ce label. Donc toutes ces bâtiments, cette façon d'accueillir les touristes sont complémentaires en fait. Et bien souvent, quand on accueille des touristes, que notre maison, notre gîte est complet, on envoie donc aux autres gîtes et même à Dola aussi, il y a aussi des chambres d'eau, des bed and breakfast. Donc voilà, on s'envoie mutuellement et on se soutient mutuellement et ça tourne bien au niveau du tourisme. En fait, donc la demande est intéressante. On se rend compte évidemment que les gens n'ont plus toujours les moyens de partir à l'étranger et préfèrent alors partir dans des endroits de proximité. Ils aiment aussi, je pense, découvrir leur pays, leur région. Et donc c'est un autre tourisme qui se développe de plus en plus. Donc c'est sûr qu'il y a de plus en plus de gîtes aussi autour de nous. Mais le fait que nous nous trouvions dans un endroit privilégié historiquement, reste quand même un endroit particulier. Quand on loue notre gîte, les gens sont quand même impressionnés de l'endroit magique où ils se trouvent. Donc le fait que ce soit une mise à disposition de biens, donc je rappelle que c'est légèrement taxé. Donc on espère évidemment que la politique va continuer à soutenir ce genre de projet. Et il faut savoir aussi qu'en travaillant dans notre couple, en tout cas nous travaillons tous les deux, c'est tout à fait gérable en plus. Donc c'est un choix supplémentaire que nous avons fait. C'est tout à fait gérable de faire ça en plus de son travail, d'accueillir comme ça des personnes dans une maison de vacances.
Alors pour conclure, donc ce projet est avant tout humain. Humain parce que voilà, on rencontre des tas de gens différents. On se rend compte aussi qu'il y a des liens qui se créent entre nous. Des personnes reviennent parce qu'elles se sont plues et puis elles ont adoré l'endroit. Mais c'est aussi un projet financier, mais ce n'est pas, c'est pas ce qui prime ici en tout cas. Et alors du côté humain, il faut savoir aussi qu'on reçoit parfois des personnalités importantes qui viennent faire des conférences tout près de chez nous. Et on accueille, voilà, Pierre Rabhi est venu à la maison. On a eu aussi le professeur Bellepomme. Et c'est toujours un plaisir de découvrir des personnalités intéressantes. Voilà. On garde aussi le gîte de temps en temps pour accueillir des amis de l'étranger. Donc ils sont les bienvenus et c'est toujours un plaisir, comme ça eux gardent leur autonomie et nous notre autonomie aussi. Et c'est vraiment très chouette comme projet aussi avec eux. Donc voilà, tout ce qu'on peut vous souhaiter si vous menez un projet comme ceci, c'est de rencontrer des gens. Et c'est, je pense qu'il faut avoir aussi une envie d'accueillir les personnes étrangères, de les cultures différentes, les langues différentes. Donc il faut parfois aussi apprendre des langues différentes. L'anglais évidemment est une langue assez facile à apprendre et qui permet d'accueillir pas mal de gens. L'espagnol évidemment aussi. Donc voilà, c'est une aventure pour tous. Les enfants participent aussi. Toute la famille contribue, que ce soit pour faire le ménage, pour accueillir, pour donner les clés, pour remplacer les produits ménagers, pour voilà, tout le monde est à contribution, remplir les contrats. Mais c'est une belle aventure humaine et c'est une belle aventure de famille.